Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo d'Urbex. Je suis en compagnie de Priscilla et de Max et on va explorer un ancien hôpital psychiatrique. Allez, c'est parti, on se retrouve dedans. Plaf. Je sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Ah ouais, c'est délabré là. C'est les appartements. Alors là, on est sur le premier bloc qui se trouve à l'entrée. Six blocs, on démarre, il y a déjà un lit à l'entrée. Là, ça doit être l'accueil. Il y a un mec qui respecte pas les gens. Ouais. C'était pas la dernière fois. Charles d'infirmière, hein, je pense. Ouais, je pense que c'est Charles de médaille. J'ai une idée qui s'est fait plaisir, moi, je pense. Je ne sais pas si. Quelqu'un veut le tester ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a été rajouté. Ouais, ouais. Pour l'imagination, quand même. C'est une fauteuil de torture, ouais. Pour ceux qui voulaient pas prendre leur pilule. Je te disais. Oh, t'as des photos. Peut-être comment c'était avant. Ah ouais. Pendant les rénovations. Peut-être. C'est bloc, hein, vraiment. C'est quoi, ça doit être un plan. Ouais. C'est le plan du rez-de-chaussée, ouais. Ah ouais, chaud. Ça, c'est en bas, ça. C'est toi, Max, qui connais les lieux. On va laisser passer droit. Mais c'était des regarderies avant, il y avait tout ça. Ouais, tout ça, c'est pas ça. Il y a encore des photos. Les mecs sont amusés. C'est quand même glauque les photos comme ça. Ouais. Il y a encore les appareils là, t'as vu ? Oui. Attends, je vais juste voir ce que c'est. Je le fais à la fin le bas ou ? Ouais. Ouais, le bas c'est mieux. On le fait maintenant ? C'est intéressant. C'est pas intéressant ? C'est le plus intéressant. Ah ouais. Tu vois, comme tu veux, allez. On va commencer par le bas. C'est bon. On va sortir la frontale. Ah, ils ont tout cassé. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est immense. Oh, qu'est-ce que c'est ça? On dirait les ballons d'eau chaude. De la production d'eau chaude sanitaire du bâtiment, je pense. C'est l'essence. Ça va loin là-bas. Bah, attends, je vais voir. Allez, on s'aventure là direct, on va voir. Allez, on va se contorsionner. Hop. Oh, j'ai du mal. Les filtres. C'est des trous de souris. Je crois qu'il y avait une boîte de souris ici par terre. Ok, ouais, c'est bon. C'est des vides sanitaires en fait. Ah, ça ressort. Ouais, ça ressort, il n'y a pas grand chose. C'est pas bien en bas là, on a vu. La petite. Quelle souplesse! Ça a l'air immense, hein. Il y a plusieurs blocs, c'est ça? Ouais. T'as entendu? T'as entendu pareil? Ouais. Une femme. On est peut-être pas seuls, les gars. Les anciennes cuisines. Les anciennes cuisines. Ils sont venus faire leur sauf ici, t'as vu? Non. Vas-y, expansion. Là, ça doit être les locaux techniques, je pense. Ouais. Oh punaise, il y a encore les brûleurs sur les chaudières. Il y a encore les sacs de sel, sérieux. Il n'y a pas l'année sur le distincteur. 98. Ça, généralement, c'est vérifié. Je crois que c'est chaque année, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans la vérification, on manque la date de 98. Donc le calendrier, là, 2008, il a dû être donné par des gens.
du bruit là. Il y a peut-être, peut-être deux explorateurs comme nous, ou des squatteurs. Hein. On va quand même rester sur nos gardes. On commence à avoir l'habitude. Donc. C'est des chambres froides. Ouais. Nourriture au corps. Ouais, c'est ici. Ah, ça m'est un peu petit pour les corps. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Au final, je sais pas. Je sais pas qu'il y a un dalou aussi. Oui, oui, ça doit être la nourriture. Il y a les cuisines de l'autre côté. Ouais. Ah, c'est marqué. Quel de Franck. Ah, ça doit être un. Je vais faire office de vestiaire, je pense. Il y a des sanitaires. Douche, WC. Là, il y a un radiateur. Ah, le monte charge. Il se met en marche. Mais... D'accord. C'est énorme. On vient là-bas. Ça devait être les vestiaires. C'est qu'il y a une envie pressante pour me laisser tranquille. Voilà, on retourne sur le point de départ et on va sur les étages. C'est pas par là qu'on est passé. Il y avait l'appareil. C'est là qu'on est descendu avant. Non, on est de l'autre côté, ok. Je vais cliquer la dernière. Il va y avoir un lavabo aussi. Ça doit être les chambres, ça. C'est vachement, vachement rapproché. Ouf.
oui. Et là-dedans, tu dois voir les dossiers des patients, mais... les culs photo. Il y a tout. Il y a des factures, il y a... le tonnerre. Ouais, il y a le carnage. Qu'est-ce que ça serait, ça? Ah, c'est des factures. Hein? C'est quoi? En francs. Ah, 100 francs, 23 256 francs, c'est quoi? Magasin rez-de-chaussée, fourniture et pose de car... Oui, d'accord, c'est les travaux... montant des travaux de rénovation qu'il y a dû avoir... dans l'établissement. Il y a des plans, il y a des années de compta là. Ouais, ça c'était durant les périodes d'activité. Et là je regardais sur les extincteurs, c'est noté 98. Et c'est la, généralement, la dernière date, c'est la dernière date de vérification. Je pense qu'il n'y a plus d'activité après 98. Là c'est que des chambres. Ah, attends, c'est quoi ça? Un ascenseur. Non, non. Oui, regarde. C'est un coffre en bois, là. C'est peut-être un ascenseur qui devait être fait. Ouais, il devait peut-être en faire un là, mais ouais. Parce que regarde, tu vois là. C'est vrai, t'as... Ou alors, c'est... il y avait un ascenseur et ils ont fait une pièce. Parce qu'après, ouais, effectivement, ouais. Alors, soit c'était prévu, soit... Parce que là, le tour est en bois. Sur les chambres, il y a le même type de hall qu'en bas. Ça doit être les salles de peut-être soit la cantine, soit les endroits où vous allez les étendre. C'est servi quand même. Hein. C'est quoi pareil? Oh, le boxon qui est à l'intérieur, c'est un peu de fou. Dans l'autre bloc de bâtiment qui se trouve un peu plus loin. C'est pas de la lente ici. J'espère pas, mais vu l'année de l'établissement, c'est possible que ça en soit. Parce que l'odeur là, c'est... Ouais. Mais s'ils sont là, on a pris plein la gueule. Hein. Si j'ai pas percuté sur le coup, mais... Ouais.
spécial. Déjà, là-dedans, là, sur les plaques du fou plafond, il doit y en avoir. C'est à son époque, hein, donc. Oui, maintenant. Le problème avec l'amiante, c'est que ce qui est dangereux, c'est les parties volatiles. C'est ce qu'on est en train de respirer, en fait. Côté discrétion, je crois que c'est mort. C'est difficile. Sur la partie sanitaire. C'est fermé ? Oui. Je pensais qu'il y avait quelque chose de grandiose. C'est une chambre quelconque. Ah, j'ai là. Ah oui, c'est complètement ravagé là. Ça va se passer. C'est quoi ça? C'est une pièce secrète? Ouais. Ah. Ouais, une chauve-souris. Sérieux? Ouais, oui. Une petite chauve-souris. Tiens, on va passer. Ah oui, joli. Je sais pas si ça va se voir la cam. Appuie sur la droite. Ouais, je les ai. Mais t'en as là aussi. Je vais faire un petit zoom. Sont belles. Ah, t'en as plein là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelques-unes. On va s'y repasser. Hop là. C'est bon. Bon, bien, nous on a terminé. On va se diriger vers la sortie, puis on va faire un petit point. Eh bien, pour nous, c'était une première, notre première Urbex. Donc, moi, franchement, j'ai vachement kiffé. Bon, je tenais à remercier Max, hein, qui nous a fait découvrir ce spot, hein, et qui nous y a emmené.
Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Au top. Ouais, j'ai bien aimé. Hein. Bon, c'était soft, j'imagine, pour la plupart d'entre vous qui avez l'habitude d'en voir. Hein. Bon, nous, c'est notre premier. Voilà, il y a des buts à tout. Eh bien les amis, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez un max, likez, et nous on vous dit à très très bientôt pour la prochaine, tchou tchou.